Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire une carte qui est très rapide à réaliser. Donc je suis tombée sur une chute que j'aimais beaucoup avec un côté un peu glamour, shabby chic et tout. Donc voilà, alors on prend ceci tout simplement, on prend une carte si j'y arrive bien évidemment. Hop, on va mesurer. Parfait, donc elle fait, je crois que c'est 10,5, c'est ça, par 14,8. Donc, j'ai trouvé cette chute qui est super sympa, voilà. Donc voilà, donc on va faire 10,1 par 14,4, voilà. Ça nous fait 4 mm en moins. Allez, c'est parti. Hop. Si j'y arrive, bien évidemment. Alors, j'ai plus de quoi ancrer en fait mes papiers, mais si vous avez de l'encre, vous pouvez les utiliser. Mais moi, j'ai pas. Donc voilà. Donc 10,1 sur 14,8. Voilà. On va le retourner. 14,8. Non, 14,4, pardon. Parce qu'elle mesure 14,8. Voilà. Donc je me suis dit à peu près 5 minutes la vidéo, mais pas plus. Je veux vraiment pas plus. Vous voyez, c'est impeccable. Je vais allumer ma lumière, vous verrez peut-être mieux. Alors, bon, je crois qu'il y a un sens où les fleurs, c'est comme ça. On va les mettre comme ceci. Si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Donc on met bien sur les bords, pardon, sur les côtés. Tout simplement pour être sûr que ça colle très très bien. Voilà. C'est parfait. Voilà. Hop. Donc maintenant, donc, je voulais un petit côté shabby. J'ai un petit peu de dentelle, on va pouvoir mettre de la dentelle aussi, pourquoi pas. Mon ciseau, alors celui-là ne coupe plus, c'est pas grave, il devrait pouvoir couper ça. Hop, je vais prendre un petit bout au pif, voilà. Alors j'aurais bien pris de la spéciale textile, mais le problème c'est qu'elle ne sèche pas, celle-ci elle reste blanche je trouve. Alors elle est très bien, elle colle par contre toutes les dentelles, elle colle tout, hein. Mais je trouve qu'elle reste blanche pour le coup. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Alors, je vous le dis, ça vient comme ça vient. Je ne calcule rien. Voilà. Je couperai après quand ça sera un petit peu plus sec. Voilà. Moi, je trouve ça super mignon. J'aime bien. C'est ce qui compte. Voilà. J'aime un peu le shabby, tout ça. J'avoue que je suis un peu fan. Il aurait peut-être fallu que je mette mon pistolet en colle... Mon pistolet de... Je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais y mettre des fleurs? Alors, hop. Je mets bien la chaise, on va dire. Avec le petit chat. Ouais, j'aime bien ça. Mais avec un gros rond, il me faudra un gros rond. Alors, je mets pause et je vais retrouver mes affaires. Alors ça, c'est tout ce que les copinettes, elles m'envoient. Donc je pense que ça, je vais le mettre. Ah, j'ai plus de scotch 3T. Je vais vérifier dans mon placard, dans mes tiroirs. Hop, je vais mettre ça. Et j'ai oublié d'en racheter. Et c'est le ballon. Ballon. Bah, c'est pas grave, on va pas mettre de scotch 3T. Tant pis. Donc je vais coller ça. Voilà. Donc je le colle plus ou moins droit. Voilà. Ça c'est tout ce que les copinettes elles m'envoient. Voilà. Sinon je vais mettre de la colle là-dessus. Comme c'est du textile, ça va finir pour le prendre. Voilà.
J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. C'est pas grave. Hop. Moi, ça collera bien. Voilà. Hop. Voilà, donc ça, après, je viens coller ce mini cadre. Mais cette fois, voilà, comme ça, j'ai envie. Voilà. Et donc, on va pouvoir venir mettre la chaise pour moi comme ceci. Je trouve ça trop mignon. Non, pas lui. Je vais mettre plutôt le violon. Comme si que tout tombait. Comme ça, ça colle. Mettre ça un petit peu mieux. Voilà. Tac. Voilà. Parfait. Hop, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre là ici dans l'angle. Voilà. Alors, c'est comme ça m'inspire. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Et ici, j'aurais bien rajouté une petite fleur ou quelque chose. Non. Enfin, si. Mais il manque un mot ou quelque chose. Vous avez reçu un message. Je vais le mettre sur du papier rose. Alors attendez. Hop. Sur du rose, du rose, du rose. Je vais avoir du rose qui traîne quelque part. Même là-dessus. Ça fera un rappel. Voilà. Hop. Et on va arrondir les angles. Que ça va pouvoir le faire. Ça va faire sympa. Hop. Voilà. Voilà. J'aime bien. Alors, je regarde où le mettre. En plein milieu, en fait. Je cherche, mais en plein milieu. Et la petite fleur, on va la mettre. Ici. Voilà. Bon, je pense que c'est tout mignon, vous voyez, avec un petit bout de papier, avec des die cuts, on peut réaliser une petite carte à envoyer, toute sympathique, qui fait un peu penser au shabby chic. Voilà. Tout simplement. Voilà, donc à bien laisser sécher. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve super mignonne. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.